Toutes les pluies du ciel sont tombées sur le Bush. L'orage a grossi les eaux de la rivière Oliphant. Il a détruit les berges. De mémoire de babouin, on n'a jamais vu pareil crue. La vie de Big Joe, de sa compagne Philippa et du reste du clan en est bouleversée. L'arbre centenaire dont ils avaient fait un repère et un domicile s'est abattu. Big Joe est à la croisée des chemins. Les hommes, quand ce n'est pas l'orage, détruisent ou réduisent le territoire des babouins qui vivent dans le nord de l'Afrique australe. À la peau des babouins colle depuis toujours une sale réputation. Ils seraient agressifs, violents, bagarreurs. Leur canine, de véritables poignards, effraie. On sait aujourd'hui que l'animal est pacifique. S'il exhibe ses dents, c'est pour dissuader ses adversaires et n'avoir pas à s'en servir. Cependant, les hommes font encore et toujours payer aux babouins leur mauvaise réputation. La tribu emporte les stigmates. Foot, le père de Philippa, a laissé son pied entre les mâchoires d'un piège. Estropiés, aveuglés, mutilés, les babouins sont méprisés par les hommes, qui les considèrent comme de la vermine et les chassent sans vergogne. Spolié de son habitat, du droit à grandir avec ses parents, le babouin est le mal-aimé du bush. Pourtant, il ressemble à l'homme des origines, celui qui décida un jour de quitter les arbres et d'affronter la savane. Samantha, une jeune Anglaise, se rend chaque année à Falaborwa, non loin du parc national Kruger, en Afrique du Sud. En ville, on lui réserve les égards dus aux femmes enceintes. En réalité, la vie qui palpite contre son ventre est celle d'un bébé babouin dont les parents ont été tués. Elle est sa mère de substitution et ne le dissimule que pour ne pas attirer le regard des citadins. Le bébé a besoin d'un contact charnel avec celle qu'il croit être sa maman. Son odeur le rassure et l'apaise. Samantha se rend au parc de Grillage, à quelques kilomètres de Falaborwa. C'est ici qu'elle ramène son bébé babouin. 5 espèces de babouins ont colonisé le continent africain. Le babouin Amadrias, le babouin de Guinée, le babouin jaune et le babouin olive. Ceux d'Afrique du Sud sont des babouins chakma. Le parc abrite un centre de réhabilitation, CARE, ce qui signifie Centre de rééducation et de réhabilitation animale. Le centre accueille plusieurs centaines de bébés orphelins. Ils ont échappé miraculeusement au piège des braconniers. CARE a été fondé en 1989 par Rita Milio et regroupe les jeunes primates selon leur âge. Ils sont élevés ensemble pendant plusieurs mois et finiront par former un groupe cohérent qui sera relâché en une seule fois pour préserver sa structure sociale. Le centre est équipé de cages et d'enclos qui accueillent les babouins aux différentes étapes de leur croissance, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour recouvrer leur liberté. La passion des protecteurs tels que Rita pour ces mal-aimés du bush permet d'éviter que les babouins ne fassent pas encore partie des espèces menacées. Cependant, les risques qui les menacent sont réels.
Sur les rives de l'Olifant, la vie des babouins reprend son cours autour de l'arbre déchu. Jesse est le nouveau venu dans le clan de Big Joe. Peut-être vient-il de la rive d'en face. Peut-être a-t-il traversé la rivière sur une souche à la dérive. En tout cas, il est là pour une seule raison, celle de se reproduire. L'arrivée d'un jeune babouin mâle comme Jesse n'est pas un phénomène isolé. Une fois adolescents, les jeunes mâles ressentent l'appel de l'aventure. Jeunes adultes, ils quittent leur tribu. Cet instinct préserve le groupe de la consanguinité. Ils doivent se faire accepter de leur nouveau groupe. Une fois passée une période d'observation mutuelle, Jesse devra conquérir sa place. Foot est un vieux mâle tranquille qui ne cherche pas d'histoire. Heureux d'avoir pu survivre à sa blessure, il n'aspire qu'à la sérénité. Chez les babouins, la société se structure autour des femelles qui, contrairement aux mâles, quittent rarement leur groupe. La hiérarchie sociale dépend des mères. Si la mère tient un rang élevé, toute sa progéniture, mâle comme femelle, l'héritera. Si elle occupe une position subalterne, ce sera aussi le cas de tous ses enfants. Il en résulte que la conquête des femelles par les mâles est un enjeu important. Philippa est une femelle de haut rang. Elle a hérité ce titre de sa mère et le gardera toute sa vie. Patrick est son dernier-né. Il est l'objet de toute l'attention de la tribu, tout d'abord parce que les derniers-nés sont révérés par les adultes, mais également parce qu'il est le fils de Philippa. Big Joe est le chef de clan. Sa force tranquille impose le respect autour de lui et nul ne remet en cause sa position. Alpha est le demi-frère de Patrick. Plus jeune, a-t-il laissé un bras dans la gueule d'un léopard ou dans celle d'un crocodile? Nul ne le sait, mais son destin n'est pas rose dans une société où la pitié n'est pas fréquente. Au centre Care, on prépare les premiers biberons du jour. Les bébés orphelins arrivent généralement au centre à 1 ou 2 mois. Des mères humaines s'empressent de les prendre sous leur protection et ne les quittent ni le jour ni la nuit. Traumatisés par la séparation avec leur mère originelle, ils mettent à devenir autonomes plus de temps que les babouins sauvages. Les mamans humaines sont des bénévoles, souvent des étudiantes, qui viennent passer 8 semaines dans le centre. C'est le temps qui sépare la prise en charge d'un babouin orphelin de celui où il commence à dormir seul. Un bébé primate ne peut survivre sans la chaleur et la tendresse d'une mère. Les mamans humaines sont là pour pourvoir à ce besoin. Leur engagement est immense. Elles dorment, mangent, se lavent avec leurs petits serrés tout contre elles. Peu à peu, les bébés doivent se détacher du giron des mamans volontaires pour passer plus de temps en nurserie avec d'autres orphelins du même âge. Ils tisseront entre eux des liens indéfectibles qu'ils maintiendront lorsqu'ils seront relâchés ensemble. Une nouvelle tribu voit ainsi le jour, grâce au centre Care. Ce sont ces mamans volontaires qui font vivre le centre, car elles payent pour leur séjour, par amour des animaux. De l'autre côté de la rivière, les éléphants s'ébattent, jouent et se déparasitent au grand bonheur de Samantha. La première fois que je suis venue, j'avais 19 ans. J'étais venue pendant les grandes vacances après ma licence pour acquérir un peu d'expérience. Je suis tombée amoureuse des babouins, qui sont des animaux très particuliers. Et depuis, je reviens tous les ans pour les aider. On essaie de leur parler en babouin. On communique avec eux dans leur langue. Le principe, c'est de les élever de façon à ce qu'ils puissent communiquer entre eux et qu'ils connaissent les codes de leur langage. Bien entendu, ils ne parlent pas comme nous, mais ils ont leur propre langage. Par exemple, si je les appelle et qu'ils décident de ne pas me répondre, je peux lancer un cri d'avertissement. C'est un cri qui les rend un peu plus réceptifs aux ordres. Donc on essaie au maximum de communiquer dans leur langue. Vilain garçon. Te amo. Ti amo. Going too far. Tu es trop loin. Te amo. Ti amo.
Un crocodile va t'avaler. Animal grégaire, le babouin évolue au sein d'une structure sociale complexe où règne la fatalité de la naissance. Une femelle de rang subsidiaire ne se hisse que rarement, au terme de sa vie, à un rang supérieur. Elle exhibe son derrière en signe de soumission, mettant ainsi en exergue les différences sociales. Un postérieur tumescent et gonflé signale la réceptivité sexuelle d'une femelle. Cependant, un jeune mâle agressif et maladroit n'aura guère de chance de la couvrir. Il se discrédite auprès des autres femelles. Trop violent, il prend même le risque d'un rejet social. Contrairement aux autres mammifères, les femelles babouins ne sont pas attirées par le plus fort ou le plus imposant, mais par le plus doux et le plus social. Pour réussir, un mâle doit se montrer prévenant et disposer d'un instinct de stratège. Il doit également se montrer fréquentable et devenir ami avec le plus grand nombre de femelles dans le clan. Sa courtoisie finira par attirer l'attention de celle qu'il convoite et qui lui offrira son poil à épouiller. Après quoi, l'accouplement devient possible. Il se renouvellera plusieurs fois, entrecoupé d'échanges d'épouillage. On croyait les babouins féroces et cruels, ils sont malins et amicaux. En 1960, Rita quitte son Allemagne natale pour suivre son mari qui s'envole pour affaires en Afrique du Sud. Elle tombe amoureuse de ce pays et ne retournera que deux fois dans son pays d'origine. Passionnée par la faune africaine, elle veut devenir vétérinaire, mais se sent trop émotive pour cela. Installée à Johannesburg, elle achète un terrain près de Phalaborwa où elle aime se rendre. C'est là que tout commence. Mon mari et ma fille sont morts dans un accident d'avion. Ma vie était terminée. J'avais de la chance d'avoir cet endroit pour pouvoir m'évader. C'est une longue histoire. C'est là que j'ai rencontré Bobby, en Namibie. Elle servait de mascotte dans un camp militaire. Une mascotte. J'y suis allée et j'ai dit, vous n'avez pas le droit de faire ça à un animal. Et je l'ai prise avec moi. J'ai enfreint toutes les lois que je connaisse. De nos jours, j'aurais fait au moins 10 ans de prison. Mais au moins, Bobby pouvait sortir quand elle voulait. Elle partait le matin pour se balader un peu partout. Elle allait à la rivière et grimpait aux arbres. Elle avait la belle vie. Jusqu'au jour où des gens m'ont dit que n'importe qui pouvait lui tirer dessus. Un braconnier pouvait venir dans les parages. J'ai dû limiter ses déplacements pour sa propre sécurité. Je crois que j'ai découvert ma passion grâce à Bobby. Si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais jamais su à quel point les babouins sont merveilleux. Sans elle, je n'aurais pas su que sauver les babouins est ma vraie passion. Donc, je pense que c'est elle qui a fondé CARE, pas moi. Le clan, remis de la perte de son arbre, aménage sa vie autour de ce qu'il en reste. C'est à ce moment-là que Rupert, un jeune babouin venu d'un autre clan, vient réclamer vengeance auprès de Big Joe qui, lors d'une précédente altercation, lui a mutilé la queue. À la différence de Jesse, il est là pour d'autres raisons. Provocateur, le présomptueux s'installe devant Big Joe et sa famille, faisant fuir Philippa, qui se réfugie derrière le maître des lieux. La tentative d'intimidation n'impressionne pas Big Joe.
L'ambiance devient électrique au sein du clan. À la suite de la provocation de Rupert, de jeunes intrigants s'attaquent aux jeunes du clan. C'en est trop pour Big Joe qui laisse éclater sa colère. Il ne laissera pas des impudents s'en prendre à sa tribu. Il charge les importuns, mais l'un d'eux l'attaque par surprise. Les babouins ne sont ni violents ni bagarreurs. Ils préfèrent l'intimidation au combat réel. Big Joe le prouve. Il préfère prendre ses distances. Ce matin, la maman volontaire Pam emmène son bébé Xena chez Jocelyne, la vétérinaire, pour une visite médicale. Comme pour un bébé que l'on amène chez le pédiatre, c'est tout un cinéma pour calmer le babouin. La vétérinaire manipule une petite Xena terrifiée, malgré tout ce que tente Pam pour la rassurer. Les babouins ont une peur instinctive de l'homme. En dépit de la gentillesse de sa mère adoptive, la petite pressent qu'elle a tout à craindre de ce géant qui l'ausculte dans tous les sens. Jocelyne finit la visite par une piqûre contre le tétanos. Finalement, il suffira d'un grain de raisin pour consoler Xena. Lydia est une vieille connaissance de Rita. Elle possède une propriété à 2 heures de route de Falaborwa. Elle a déjà récupéré 6 bébés babouins qu'elle a toujours gardés jusqu'à l'âge de 3 mois. Passé ce délai, elle les remet aux bons soins de son amie en vue de leur réhabilitation et de leur réintroduction dans la nature sauvage. Aujourd'hui, elle vient présenter son bébé à son futur clan. En voyant arriver d'autres petits, le bébé esquisse un geste de recul. Il n'a encore jamais vu de babouin. Mais les petits, accueillants et amicaux, l'entraînent bien vite dans leur jeu. C'est un nouveau monde qui s'ouvre pour ce bébé orphelin. Mon mari est un chasseur professionnel. Il a passé sa vie à chasser. Il a même tiré sur des babouins. Mais depuis qu'on s'est mis à les élever, il n'a plus jamais fait de mal à un babouin. Il ne laissera jamais un autre chasseur tirer sur l'un d'eux. Jamais. C'est le moment du coucher. Le bébé de Pam a maintenant 5 mois et ne doit plus dormir avec sa maman volontaire. Il passe déjà ses journées dans la nurserie et doit continuer son apprentissage de l'autonomie. Pam prend soin de décorer la cage et d'y placer des friandises pour adoucir ce moment encore difficile pour la jeune Xena. Pendant les 5 premiers mois, ils dorment avec leur mère. Ils passeront les nuits des 8 mois suivants dans cette salle de sommeil pour apprivoiser l'indépendance. À 2 ans, les babouins n'ont plus aucun contact avec l'homme. «
Malgré toutes les attentions des mamans volontaires, le coucher ne se fait pas sans cris ni pleurs. Au moment où Pam met les petits dans leur cage, la cérémonie commence. Hurlements, gémissements et pour certains, tentatives de fuite. Cette nouvelle étape est douloureuse pour les petits babouins qui vivent leur séparation avec leur maman volontaire comme un arrachement. Le babouin Chakma est un piéton qui passe sa journée à arpenter le sol. Le soir, cependant, il craint les prédateurs et retrouve un instinct arboricole. Sur les branches où il dort, peu de félins peuvent le surprendre. La nuit venue, le clan doit donc trouver, à défaut de celui qu'il fréquentait naguère, des arbres où s'abriter. Le clan se trouve dispersé sur plusieurs arbres et Big Joe a parfois du mal à rejoindre les différents membres de sa tribu. Les babouins sont très habiles sur les arbres. Ils adoptent des positions parfois acrobatiques, mais sans danger pour eux. Le petit Patrick, quant à lui, reprend vite ses marques auprès de sa mère. Le soir venu, les mamans volontaires se détendent autour d'une pizza. Elles n'oublient pas pour autant leur rôle de mère, avec leur bébé toujours accroché. Loin de la terrible salle de sommeil, Tiamo reçoit son dernier biberon dans le lit douillet de Samantha. Après une lourde journée, les yeux de Samantha tombent sur son livre. Elle s'endort en tenant tendrement Tiamo dans ses bras. Le jour se lève dans le bush. Affairées, les mamans du centre préparent déjà les biberons des petits babouins qui ne vont pas tarder à se réveiller dans le dortoir. Ces biberons sont enrichis en lipides pour être aussi riches que le lait des mamans babouins. Les mamans doivent nourrir en même temps tous les bébés dont elles ont la charge. Le matin, ils ont tous faim en même temps. Face au grand nombre d'orphelins présents dans le centre, les mamans se voient confier plusieurs bébés en même temps. Samantha n'en élève qu'un, mais en garde trois autres plus âgés. Elle porte toujours Tiamo contre elle, tandis que les trois autres sont plus grands et autonomes. Elle va les chercher dans le dortoir. Des cris de joie l'accueillent.
À peine a-t-elle ouvert la cage que les petits sautent dans ses bras. Ils ne sont pas encore prêts pour l'autonomie. Les mamans volontaires emmènent les bébés plus âgés en nurserie. Lorsqu'ils quittent la salle de sommeil, ils se retrouvent tous pour apprendre à vivre ensemble en vue du clan qu'ils formeront une fois libres. Jesse fait partie des nouveaux arrivants au sein du clan de Big Joe. Il découvre cette nouvelle tribu avec un seul objectif en tête, celui de se reproduire. Sa hargne le rend agressif auprès du clan. Comme ici, personne ne l'a connu bébé, il peut jouer les mâles dominants en imitant ceux qu'il a vus à l'œuvre dans son clan d'origine. Mais il a encore beaucoup à apprendre. En voulant en imposer, il fait peur aux femelles. Elles s'enfuient et lui laissent de la nourriture, mais se refusent à lui. Jesse n'a pas bien observé ses pères. L'agressivité ne paie pas. Chez les babouins, seule la douceur et l'amitié attirent les femelles. Et cela, Jesse doit encore l'apprendre. Steven est le directeur du centre. Aujourd'hui, il vient de prendre une lourde décision en concertation avec la vétérinaire. L'une des femelles du refuge est atteinte d'un cancer. Il n'y a aucun moyen de la sauver. Ses douleurs seront bientôt intolérables. Steven veut les lui épargner. Il a donc décidé de l'euthanasier et l'annonce aux volontaires pour qu'elles lui fassent leurs adieux. Devant la cage, un petit babouin semble compatir avec la femelle malade. C'est un signe de respect. Ils se retournent et montrent leur postérieur en signe de respect. C'est comme quand nous enlevons notre chapeau pour souhaiter la bonne journée à quelqu'un. C'est comme pour les pouillages. J'ai jamais vu un seul babouin avec des puces. Mais c'est un geste réconfortant. Essayez avec votre femme. C'est comme quand quelqu'un vous frotte doucement le dos. Comme ça. C'est un geste qui les calme et qui renforce les liens du groupe. C'est pareil quand ils n'aiment pas une chose. Ils la jettent, tout simplement. Ils ne recherchent rien en particulier. Ils fonctionnent plutôt avec les émotions. Ils sont très tactiles et la promiscuité les rend heureux. Et ils fonctionnent comme ça tout le temps.
Dans la vie des babouins, le moment du repos est un moment de détente privilégié où l'épouillage occupe une place essentielle. Les babouins se rassemblent par affinité et vont gratter le corps de leur congénère. L'épouilleur retire consciencieusement des doigts les impuretés, poussières, boules de poils, tiques ou puces découvertes dans les poils de l'autre. On plante les incisives au plus profond de la toison pour y tuer l'insecte repéré. En général, les rôles sont interchangeables, l'épouilleur devenant l'épouillé. Il s'agit d'un acte sanitaire qui assure la bonne santé de celui qui est épouillé. En effet, l'épouillage limite les infections parasitaires et les maladies qui en découlent. Mais l'épouillage est avant tout une manière de saluer celui qui occupe un rang supérieur au sien et de se voir accepté et reconnu par lui. Il constitue un véritable facteur de cohésion sociale. L'épouillage resserre les liens entre membres d'un même clan. Il procure aussi à celui qui en fait l'objet une grande satisfaction comparable à celle qu'offre un massage aux humains. Ce qu'il y a de bien dans le clan, c'est que si un mâle s'en sort bien avec les petits et qu'il est gentil avec eux, la mère se dit « C'est vraiment un gars sympa. Il est très gentil avec mon bébé. Ce serait bien que ce soit le prochain à me faire des petits. » Si Big Joe est le plus respecté de sa tribu, c'est parce qu'il a compris comment plaire aux femelles de son clan en s'occupant des petits. Patriarche attentif, il surveille les bébés avec bienveillance. Chez les babouins, c'est en se montrant doux avec les plus vulnérables qu'on reçoit les faveurs des femelles. Il ne s'agit pas de combat ni de rapport de force, mais de malice et de stratégie. Rassurés par la présence du mâle, les petits s'ébattent joyeusement. Ils jouent, roulent sur le sable, tout en restant à portée de vue de leurs surveillants. Patrick joue seul et préfère se rapprocher de Big Joe. La stratégie de ce dernier est payante. Une femelle finit par se glisser dans son dos et l'épouille, signalant à Big Joe qu'il lui plaît. C'est gagné pour lui. Parmi toutes les obligations du centre, le nettoyage des cages n'est pas la plus agréable. Mais elle est quotidienne et obligatoire pour le maintien sanitaire des babouins. Steven emmène aujourd'hui un mâle chez la vétérinaire afin de vérifier son état de santé. Depuis quelques semaines, il maigrit et Steven voudrait comprendre les causes de sa perte d'appétit. Pour manipuler l'adulte, Jocelyne est obligée de l'anesthésier. Une fois endormi, le babouin est emporté par Steven dans la salle d'auscultation.
La vétérinaire vérifie sa dentition et la présence éventuelle d'un abcès. Et passe sur tout le corps du babouin à la recherche de grosseur ou tumeurs douteuses. Elle procède à plusieurs examens et une prise de sang l'orientera vers un diagnostic. Jocelyne en profite pour lui administrer des vitamines afin de renforcer ses défenses immunitaires. Ils sauront dans quelques jours de quel mal souffre le babouin et pourront lui prodiguer les soins nécessaires. Rupert continue d'introduire une tension pernicieuse au sein du groupe. Il veut sa revanche et l'aura. Excédé, Big Joe répond à l'attaque, mais avant d'affronter son rival, il court s'emparer de Patrick pour s'en faire un bouclier. Big Joe sait que Rupert ne touchera pas le bébé pour ne pas perdre la faveur des femelles. Le combat tourne court, chose rare. Big Joe s'en tire avec une blessure profonde, mais sans gravité. Dans la nurserie, Pam est joyeusement accueillie par les jeunes babouins. Elle leur distribue des biberons et passe un long moment avec eux. La cage est aménagée exactement comme une crèche, avec une aire de jeu et une aire câlin avec les mamans volontaires. Elles leur apprennent notamment les rudiments de l'épouillage. C'est là que nous retrouvons Rita. Elle sort désormais rarement de chez elle, mais aime partager ses moments de tendresse avec les autres bénévoles. Elle en profite pour vérifier que le processus vers l'indépendance se passe au mieux et que chacun a sa place dans le clan. Alors que les adultes se font la guerre, les petits s'entraînent à la bataille. Indifférents aux luttes des grands, les bébés s'ébattent joyeusement. Ils jouent sans savoir qu'ils acquièrent des réflexes qui leur serviront lorsqu'ils seront adultes. En s'accrochant aux branches des arbres, ils renforcent leur équilibre et leur adresse.
Instinctivement, les petits se montrent agiles, défiant audacieusement les lois de la pesanteur. De même, quand ils jouent à se bagarrer, ils apprennent à se défendre et à attaquer. Le jeu leur fait faire l'apprentissage des comportements indispensables à leur survie. Mais laissons la jeunesse passer. Dans le processus d'apprentissage, Alpha apprend à se débrouiller avec un seul bras. Jocelyn observe les comportements des babouins en captivité afin de savoir s'ils sont prêts à être relâchés. Elle étudie également leur rapport entre eux afin de savoir s'ils seront assez unis pour former un clan une fois libérés. Elle identifie enfin quelle position occupent les babouins dans le groupe et qui est le mâle dominant. Les naissances ne sont pas souhaitées dans le centre. Cela arrive accidentellement et il a été observé que les babouins natifs de Caire s'adaptent beaucoup plus facilement à la vie sauvage que les orphelins. Mais Steven veut éviter ses naissances en captivité et pour ce faire, procède au darting. Comme le dard des abeilles, cette opération consiste à envoyer une seringue à la femelle qui sera efficace pendant 3 mois. Il s'agit d'un contraceptif humain. Au moment du relâcher, ils ne sont plus piqués afin de pouvoir donner naissance à un bébé dès leur réhabilitation dans la nature. Anna et Steven donnent le biberon aux petits de 18 mois. Ils sont grands et autonomes. Ils reçoivent encore cependant 2 biberons par jour en plus de leur nourriture. That's your pizza.
Les soigneurs les nourrissent de légumes. 3 tonnes de légumes sont fournies chaque jour aux babouins du centre Care. Impropres à la vente, les légumes sont donnés par les fermiers. Les babouins ne se volent pas la nourriture. Lorsqu'ils attrapent un morceau, il leur appartient. Le respect de la propriété s'apprend dès l'enfance. Le sevrage est imminent, mais Steven se trouve aux prises avec un jeune qui réclame de l'affection. En voyant les adultes entrer dans la cage, il arrive que les babouins aient quelques phases de régression. Ces jeunes seront cependant bientôt prêts à former les plus petits. Au sein de Care, Danny est responsable du relâcher des babouins. Il est accompagné de Johanna, une vétérinaire volontaire venue de Lituanie. Il sillonne le pays pour détecter des lieux sûrs où les babouins pourront vivre paisiblement. Les critères sont clairs. Les zones de relâcher doivent être situées loin de toute présence humaine, proche d'une zone d'eau. Elles doivent offrir de vastes aires découvertes pour rendre détectable l'arrivée des prédateurs. Lorsqu'il aura trouvé ce lieu idéal, Danny relâchera d'abord le mâle dominant et sa femelle pour qu'ils reconnaissent le territoire au nom du groupe. Pendant que le couple explorera la zone, le reste du groupe demeurera en cage. Ayant besoin de leur groupe pour vivre, le mâle et la femelle reviennent vers eux. Lorsque Danny et Johanna sentiront le mâle et la femelle en confiance sur leur nouveau territoire, ils relâcheront le reste du groupe. Ils resteront avec les babouins quelques mois pour s'assurer que le relâcher a été réussi. On les lâche à un endroit et ils regardent un peu autour d'eux, mais il faut qu'ils s'habituent à leur habitat. C'est comme si on vous abandonnait au beau milieu de Tokyo. Il faut que vous trouviez où se trouve la bibliothèque, les toilettes ou encore la gare. Donc, on les accompagne pour leur montrer où ils vont vivre. Ils se disent « Oh, ça a l'air bien !» Et ensuite, ils explorent les environs. Mais au tout début, quand on les lâche, c'est nous qui sommes leur filet de sécurité. Si jamais il y a une chose dont ils ne sont pas sûrs, ils viennent nous voir. Care est un centre précieux qui participe à la préservation des babouins, une espèce qui serait en passe d'être menacée sans les actions de Rita. Parfois bagarreurs, mais tendres et attentionnés, les babouins ne doivent leur mauvaise réputation que par le reflet un peu trop ressemblant qu'ils nous renvoient. Presque trop humains, les babouins de Rita parcourent un long périple pour retrouver leur autonomie et recouvrer une liberté qu'il n'aurait jamais fallu leur enlever.